Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc suite à je sais plus ce qu'on avait fait. C'est magnifique. Le mec il perd la tête. On avait fait différentes quêtes annexes. La dernière, je crois que c'était avec des dents de scie au milieu ou le creuset, je sais plus. Mais là voilà, on a une autre quête annexe à faire avec Sona, le petit Sona des familles là. Et depuis tout à l'heure elle fait que se répéter, donc on va arrêter le mode perroquet pour lancer la mission. Chef là. Sona, tu as décidé de renforcer les défenses? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés. Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres. Mais ça ne m'empêche pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givre-lymphe. Et nous avons aussi besoin de leurs lentilles. J'ai de la givre-lymphe. Parfait. Avec la glace et le feu, nous repousserons les machines. Il ne manque plus que la lentille de corne filante. On peut en trouver à l'ouest d'ici. Il faut aussi que les tours de guet aient des réserves de flèches d'alerte. Apporte celle-ci à la tour d'Orne au sud. Si tu veux bien. Ouais, parce que moi tu me donnes pas d'ordre. Alors, c'est une quête de niveau 10, on peut la faire. Donc, la chef de guerre Sona, de retour au village, a besoin d'aide pour renforcer les défenses d'Enora, donc contre les machines corrompues par exemple, des attaques, de toutes sortes de choses. Donc voilà, on va l'aider, sans qu'elle nous donne d'ordre, je préfère. Est-ce que je l'ai... Ouais, je l'ai accepté, donc voilà. On lui a déjà donné des givres l'ange, je sais plus trop quoi, là, pour le gel. Mais là, il reste des lentilles de cornes de filante à récupérer. Et on va aller dans la zone où le jeu veut qu'on aille. Alors, je sais pas si c'est mieux de passer de l'autre côté, en fait, du village. Je pense que oui, hein, puisque c'est là-bas. Allez, on va regarder tranquille. Alors comme d'hab, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue pour que... Bah, pour que ce soit pas trop long en fait, tout simplement. Si je passe par là-bas, ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, sortie de la couronne de la daronne. Dans ce jeu, il n'y a pas de daron. Hein. Les darons, ils sont racistes avec les darons. Bah, apparemment c'est là. Elles sont toutes ici. Alors je vais essayer de me les faire en mode discret, mais on sait pas, c'est pas écrit quand est-ce qu'elle relève la tête, donc c'est un peu du hasard. Déjà pour commencer, elles sont toutes là en hauteur. Je vais pas sortir. Je peux facilement pirater cette corne filante, mais pour l'attraper. Allez, une en moins. Des lentilles, ça c'est parfait. Par contre c'est pas une bonne idée parce que l'autre me fait face là, mais pourquoi ça a pas marché? Venez ici. Attends. Non. Allez, on va refaire ça. Ah, tu vas prendre tellement cher, toi. Attends, mais elles sont combien, là? J'ai l'impression qu'elle a plusieurs. Ça fait déjà trois fois que je fais le bordel. Voilà, bon, on met un petit vent. Alors, on va la canarder, et en même temps, je vais reculer pour avoir un peu plus de marge. C'est limite, hein, très limite. Allez, je pense que c'est la dernière fois. Normalement, voilà, il peut plus courir, donc du coup, on a un peu beaucoup plus de marge. Je vais me refaire des câbles. Voilà, il va tomber. Voilà. Voilà, ça m'apprendra à pas observer les alentours avant d'attaquer quelqu'un ou une machine. J'ai failli faire n'importe quoi. Bon. Où sont-elles? Je perds la voix, pourquoi je sais pas. Bon, on n'a pas pris de dégâts, donc là on est bon.
Où sont les cornes filantes? Je crois que ça restait là-bas. Sauf si j'ai déjà récupéré... Ah bah non, apporter les flèches d'alerte à Horn. Je pense que j'ai récupéré ce que je devais récupérer, oui, voilà. Bah ouais, mais j'ai pas pu suivre en fait ce que mon avancée, puisque bah, je me suis fait attaquer par une dent de scie, donc toute mon attention a été aspirée par la dent de scie, j'ai envie de dire. Forcément, quand on fait n'importe quoi, bah, tu le payes. Je vais essayer de mieux observer à l'avenir, hein, parce que bon, ça pardonne pas, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Les épisodes précédents, là, je perdais beaucoup de vie quand je faisais n'importe quoi. Donc je vais essayer de me concentrer un maximum à chaque fois. Désolé, hein. Désolé si je commente plus autant que sur un autre jeu, par exemple, comme sur Death Stranding. Parce que bon, j'avais pris le coup, j'avais repris l'habitude. C'était plus simple, les échoués, je savais comment les aborder. D'ailleurs, je me suis jamais fait choper par les échoués au final. Alors, donc c'est là-haut là. Ah ben, non, on va pas prendre ça. C'est juste un lapin, abruti. Où il est? Il est là-bas. Je t'ai vu. Il est passé où là? Ok, disparu. Sisté, des trous. Ah ben il est là. Je t'ai mis une bonne petite gifle, je suis désolé. J'aime pas tuer les animaux, mais le jeu nous oblige. Alors voilà. Je suis pas comme ça, moi j'aime pas du tout tuer les animaux, je vois pas à quoi ça sert. Mais là le jeu il te dit que ça sert à quelque chose. Donc, en fait il te montre les mauvaises manières. Alors qu'en se disant on est là pour faire le bien, mais bon. La faune et la flore on s'en bat les couilles. Hein. Allez bon, on est monté tout en haut, on va lui donner... Attends d'abord je loot, parce que je m'en fous de sa vie. Voilà. Le plus important pour moi c'est de looter. Allez, monsieur c'est toi, Lorne. Hein, tu n'es pas un peu jeune pour être sentinelle? Et toi alors? Touché. La chef Sona m'a dit de t'apporter ses flèches de feu. Il faut que tu envoies un signal dès que tu vois le moindre truc bizarre. Ça va, je sais, je suis jeune, pas idiot. Si jamais ils reviennent. Bref, sois prudent. Le trajet retour, c'est le meilleur. Ouais, ben oui, c'est le meilleur. Il y a la corde, il y a le descente en rappel. Retournez voir le sauna. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Hop là. Il n'y avait pas une... Grimper en haut de la tour de guet. Attends. Ah ben, c'est là-bas. Hop. Ben oui, le chemin du retour, c'est le plus simple. T'as la corde, hein. T'as la descente de rappel et la corde, donc forcément ça glisse. Et hop là, est-ce que je suis bon? Ouais, niveau munitions, je suis plutôt blindé. Au cas où, ouais, parce que bon, je suis du genre à foncer. Ah, des cornes filantes, je devrais peut-être encore looter, s'il n'y a pas de machine dangereuse. Là-bas, il y a un sanglier, j'ai entendu des bruits de pas. Bon, allez, il y a des veilleurs. Allez, on va looter. Le lootage est très important dans la famille. Voilà, des câbles électriques. Bah, le top du top, ce serait d'économiser les flèches. Mais bon, j'y suis à la mode bourrin, là. Voilà. Là-bas, il y a le sanglier qui nous nargue, il nous repasse devant. Genre, vas-y, hein, tu peux pas me buter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bloqué. Ah par contre pour charger t'as encore de l'énergie, hein. Allez, donne moi ta flambée. Est-ce que je peux récupérer du matos sur vous ici les filles? Alors apparemment ils me voient plus là.
Non, il cherche. Mais où est-il? Où est-elle? Bon, c'est pas grave. Au moins, je loot un peu de la flambée. C'est très important, la flambée. Surtout pour les machines corrompues. Les dents de scie. Où je dois aller, moi? Bon, aller là-bas. Voilà. Bon, on... ouais, je perds du temps. Je suis désolé. Ah, bah, il y a encore des brouteurs, là, tiens. S'ils me repèrent pas, c'est parfait. Ah, une canne de rivage. Ah, là-bas, il y a une dent de scie. Oula, non, là, ça pue, par contre. Ça va. Ça va. C'est drôle, quand même, qu'il y ait une dent de scie juste à côté d'un camp, et la dent de scie ne s'occupe pas du camp. C'est quand même à côté, quoi. L'entrée, elle est juste là, quoi. Et la dent de scie, elle est là. Allez, la couronne de la, du daron, de la daronne. Sona qui est... J'oublierai pas les lois des matriarches. Qui n'a pas bougé, apparemment. Elle est toujours là-haut, perchée. On fait la sale besogne voilà. Pendant qu'elle fait... Quoi, au final? Elle est où? Elle est montée, hein? Les maudits. Bah, elle est où? J'espère que ça n'a pas bugué, ou alors elle est en haut. Attends, grimper. Ah bah oui, grimper. Mais apprends à lire! Mais c'est pas possible! Tu grimpes là-haut? Ok. Et pourquoi pas? Des fois, je me saoule tout seul. C'est quand même assez navrant. Bah oui, elle a grimpé. Oh, bah oui, mais merci d'avoir grimpé ici! Moi, je récupère tout ça! Ah bah cool. Je t'ai apporté une lentille de corne filante. Je vais l'utiliser pour fabriquer une arme. Les guerriers doivent aussi être de bons artisans. As-tu apporté les flèches d'alerte à Horn? C'est fait. Mais j'espère qu'il n'aura pas à les utiliser. Je l'espère aussi. J'ai beau être chef de guerre, je ne souhaite pas de conflit. Pour l'instant, je ne demande rien d'autre à mes braves que d'être prêts. Merci pour ton aide. Merci à toi de nous avoir mené en haut pour trouver tout ça. Alors voilà, bah, la mission pénurie est finie. On va faire un petit tour dans les options. Alors peut-être que je vais EP là, je sais pas. Ouais. La neige est blanche. Mais pas suffisamment. Ouais. Alors au niveau des modifications, ça, on va le décomposer. Ça aussi. Ça. Les bobines vertes, je m'en cogne. C'est pourri, c'est nul. Les bleus et les violettes, pour le moment, c'est suffisant. Là, à ce niveau-là, je vais enlever les points d'exclamation. Alors, câble de rivage, on est tranquille. Les câbles électriques, c'est moyen. La bleuette, il m'en faudrait plus. La flambée, ça va. Et ça, j'en ai pas assez. Mais de toute façon, j'ai pas de... De flèches givrées, tout ça, là. Alors, au niveau de... Oh, on est plein, là. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Donnez-moi tout ça. Ah, ben, de la flambée. Ah, ça, je peux pas, je suis plein. Ça aussi, c'est intéressant. Des éclats aussi. Et là, on a réceptacle néphtalique. Voilà, ben, il y a que ces deux trucs où je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux fabriquer des choses, ici? Maintenir, jeter... Non, je peux pas fabriquer. Il me semblait... très sincèrement que je pouvais peut-être plus tard mais fabriquer des choses
Carquois. Ah, carquois de précision, tout de suite. Voilà. Ah, bah, je peux faire tout ça encore. Sac de potions. Sac munitions fronde, j'hésite. Parce que la fronde, plus tard, on va en avoir besoin. Plus 2. Ouais, c'est vrai que c'est pas très. Mais bon. Allez, on va faire ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un début, regardez, c'est pas mal parce que ça, on en est déjà au 3. 3. Là, c'est à fond. 3. 4. 3. 3. Il n'y a que ça qui est pourri. 2. 3. Et ça, c'est à fond. Donc ça va, enfin, on est à peine au niveau 15, quoi. Et on est déjà à 3 niveaux à peu près. Sauf au sac de potions. Je crois que j'ai des idées noires. On est à 2. Qui sont bien montés, quoi. Enfin, je veux dire, la capacité eh bien, est au rendez-vous. Donc voilà, bah, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous a plu comme d'habitude. Restez pisse, c'est très important. Mais pissez pas sur les gens. Et salut, ciao, et à la prochaine.